Donc, j'ai changé, je vais arrêter de dire salut. Donc, hello. Et donc, ouais, comme je vous avais dit, voilà, je suis allé devant la ville. Pour vous faire perdre du temps à marcher, rencontrer des ennemis pour rien. Donc, voilà, c'est mobile, c'est bon. Donc là, on va retrouver des gens que vous vous rappelez peut-être. Enfin, il y en a un, c'est sûr, vous vous rappelez. Mais deux autres aussi. Donc voilà, ça c'est la ville où tous les parents ont été massacrés. Enfin, presque tous. Vous allez voir. Oh merde, il n'y a même plus d'élixir. Ça c'est la fin du monde. Hein. Alors, je vais retrouver une vieille connaissance. Et voilà Terra. Et donc là, on retrouve Catherine et comment, Denis, je crois. Tu dégages, je crois. Donc je sais pas si vous vous rappelez d'eux, en fait. C'était ceux qui étaient dans la ville de Go. Qu'on voyait dans la ville de Go, et je crois qu'on les voyait aussi autre part, je sais plus où. Enfin, on les a eu dans plusieurs villes. Je vous ai dit qu'on s'en foutait, mais c'était justement pour pas vous spoiler. On va avoir une espèce de réminiscence. Ouais, quand on voit en jaune et en espèce de tout jaune comme ça, c'est que c'est le passé. C'est bien fait, j'aime bien. Et pas de son, c'est normal. Là, voilà les parents. Et hop. Genre, il y a une scène tragique, moi je dis quand même. Donc là, le thème de Terra, qui va bien avec, avec les événements. Voilà, du coup on peut pas la prendre pour l'instant. Et là on va sortir, il va se passer un truc. Vous allez voir. Bah bah voilà. Donc c'est un des monstres que je vous avais dit qu'on est obligé de voir. Les Dungais et 8 dragons aussi. Donc c'est une espèce de gros truc vert, vous avez... Terra est toute seule. Donc ouais, je sais pas si on peut le battre là. Les persos, j'en doute. Hein. Il craint bio, c'est sûr. Quoi? Pourtant il craint normalement. Donc peut-être qu'on peut pas le battre. Je sais pas, de toute façon moi je me suis déjà fait tuer par lui. Est-ce qu'on va le recombattre après? Et voilà, ça continue le scénario. Donc je sais pas si l'invincible ou... Ouais putain. Je pense qu'il est invincible. Battre, je pense. Enfin, peut-être en fait. Mais... Tant pis, hein. De toute façon, on va le rebattre.
lui fait des bio. Je suis sûr qu'il craint bio pourtant. Peut-être que Terra elle pouvait pas lui faire des dégâts, je sais pas. Ah, je sais bien qu'il craint bio, putain. Son attaque là, ça m'a fait penser à mille épines, les attaques des espèces de cactus. Attends, c'est bas haut, Yurikix. Attends, bas haut, Yurikix. Je sais plus en fait. Non, c'est pas ça. Je sais plus faire son beat, merde. Voilà, et là il fuit. Donc il craint le poison. Ouais, je crois que c'était obligé de perdre avec elle. Donc voilà, là on peut pas la voir. Donc on n'a plus qu'à partir. Une nouvelle magicite. Fenrir, c'est un espèce de loup. Vous connaissez peut-être. C'est dans la mythologie nordique. Alors, je peux vous faire un cours sur la mythologie nordique, du coup. Quoique je pourrais, hein, parce qu'avec Valkyrie Profile, là, je les connais. Est-ce qu'il n'y a pas un passage? Non? Il me semble, tiens. Peut-être qu'on peut pas... ouais. Donc ça, c'est une ancienne ville, hein, qui est détruite, maintenant. On peut se reposer en plus. Donc auberge gratos. Vive la fin du monde. Non, les auberges sont gratos. Il y a quand même des... on a quand même eu du bonheur dans notre malheur. Hein. Maintenant les auberges sont gratos. Donc si on parle au chien, il aboie ce coup. Voilà. Il ressemble à l'intercepteur, mais tous les chiens sont pareils. Hein, dans les justices. Donc là vous avez compris. Comme on peut pas aller par là, on va aller autre part. Donc une autre ville où on n'est pas allé. Ouais, je pourrais me le faire. Mais qu'est-ce que je fous? Chaque fois je crois que ça sera attaqué et puis... ouais, attaque en traite donc on fait moins de dégâts. Et lui apparemment il craint bien le feu. Hein. Parce que la griffe de feu de Sabine, voilà quoi. Normalement il fait en plus là dégâts divisés par deux, attention. Voilà. Et là vous allez voir. Putain! Il y a trop d'ennemis, ça m'énerve. Bon, ils sont faibles, je vais me le faire. T'as la taille de l'épée, quoi. Alors Matma, c'est la seule avec laquelle on peut faire 9999 de dégâts avec un coup. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Ouais, donc quand on a les deux armes Matma, plus la relique, une arme dans chaque main, et la relique 4 coups par attaque, ça fait 8 coups à 9999. Ouais, faut retourner au level max. Donc là, on peut prendre un chocobo. Genre le gars, il se fait des promenades en chocobo, juste après la fin du monde. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà, donc là on prend le petit chocobo, comme ça pas d'ennemis. La musique de chocobo de FF6, je l'aime pas. C'est une des rares musiques que j'aime pas dans FF6, quoi. Il y en a aussi que j'aime pas parce qu'à force de les écouter, j'en ai plein la cul. Mais c'est une musique bof, hein, parce que les musiques géniales, je les écoute tout le temps et ça me fait jamais chier.
Donc là vous voyez une tour. Alors ça c'est la tour des fanatiques, mais on peut pas y aller maintenant. C'est beaucoup plus tard, c'est une quête optionnelle. Enfin une quête optionnelle mais aussi un perso à récupérer. Et voilà, une nouvelle ville là. Une nouvelle musique pour changer, enfin nouvelle qu'on connaissait déjà, mais et là on va retrouver encore quelqu'un, vous allez voir. Dégage, on va vers le port où il n'y a qu'un seul bateau, hein, ça c'est du port 100% pur port. Alors merde, c'est pas là qu'on le voit, il me semblait. Peut-être passer quelque part avant. Dans un bar ou... café, voilà. Ouais. Là, vous voyez les gars. Gérard, voilà. Alors, Gérard, vous allez voir qui c'est. Château de Figaro, voilà. Ouais, il fallait reparler. On parle du château de Figaro, le château de toute Sabine et de Edgar. Et là, vous allez voir, vous allez le reconnaître. Merde, je crois. Putain, mais il vient ou pas? Voilà, et là vous reconnaissez peut-être. On dirait Edgar, mais il a pas les mêmes vêtements. Après, les nouvelles armes armures, hein, par contre. C'est quoi ce truc? Je vais mettre ça. Voilà, il y a une espèce de Edgar qui ne parle pas, etc. Putain, mais je croyais qu'il allait venir là, moi. Mais je suis perdu, là. Qu'est-ce qu'il nous fout? Il vient pas là, quoi. Pourtant, certains qui prend le bateau, quoi. Je vous connais, je vous rappelle pas exactement par cœur, mais... Je sais qu'il va prendre le bateau tôt ou tard. Alors, faut voir comment il prend. Ah bah il est peut-être allé au café. Ouais. Je suis pas doué, hein, putain. Non. Ok. Dégage, le gamin. Eh, pourquoi il est encore là, lui? D'accord, faut le suivre. Je vais pas acheter des trucs en plein milieu, c'est pour ça. Grillé.
se glisse dans le bateau. Donc si vous reconnaissez peut-être la carte, parce que c'est la même carte qu'avant, à part que les continents ils sont partis dans tous les sens. Hein. Mais si vous regardez en recollant les morceaux, ça fait bien le monde d'avant. Il y a des nouvelles îles aussi. De toute façon, on s'en fout, on n'a pas de dirigeable. Donc là, tiens, pourquoi il y a un autre gars? On peut repartir, ok. Bientôt vous laisser. Hein. Quand il est petite fille, c'est ça. Hop, on va voir la Vérade. Ça vous reconnaissez hein. Cette ville, c'est là où on avait fait les champs de cidre, tout ça. D'ailleurs, il est là le cidre. Figure au sud, hein. Là où on s'était infiltré cloqué. Et là où on était au début du jeu. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein. Alors, je vais juste sortir de la ville. Non, ça sert à rien, une grotte, tout ça. Et voilà. Donc, on se revoit à la prochaine. Allez, à plus.